roi. Ça suffit, Rito, fais les cesser. Arrêtez les combats immédiatement. Assez, arrêtez. Voilà le roi. Le roi, le roi, nous sommes sauvés. Sois le bienvenu, Pandian. Délivrez-le. Lâchez-le. Tu oses commettre de tels actes en mon nom personnel, Milo? Mais il refusait de payer le tribut habituel. Non, c'est faux. Tu as exigé de nous 30 hommes au moins pour ta garde personnelle. Et nous te les avons refusés tout net. Voilà quelle est la vraie version. Et toi, tu le crois? Eh bien, c'est lui que tu crois ou c'est moi? C'est lui, Milo. Parce qu'on ne compte plus tes mauvaises actions, mais ce sera ton dernier crime. Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. Eurystéo a menti. En voilà assez, Milo. Je t'ai toujours témoigné beaucoup d'indulgence parce que mon frère s'était pris d'amitié pour toi jadis. Je crois qu'aujourd'hui, mon frère te condamnerait comme moi. Tu es injuste envers moi. Il est temps que tu cesses d'exercer ton génie malfaisant contre mes sujets. Je n'agis que dans ton intérêt. Va-t'en, Milo, je te chasse de mon royaume. Moi, Pandion, le roi, j'en ai décidé ainsi. Et j'entends que mon ordre soit exécuté sur le champ. Avertir Hercule. Hercule. C'est fini. Notre roi est mort. Le roi est mort. Emparez-vous de Milo! Vengez notre bien-aimé roi! Mort à son assassin! Eriol, viens avec moi! Poursuivez-les, ramenez-les, je les veux vivants! Nous sommes sauvés. Maudit chien. Hercule était l'ami de Pandion. Va, dis-lui que Milo l'a tué et que la vie d'Attie, la fille de notre roi, est menacée. Mais pourquoi? Il vaut mieux agir nous-mêmes tout de suite. Le peuple est contre Milo. Il aimait Pandion. En sa regard, je m'en chargerai. Maintenant, va rejoindre Hercule. Tu le trouveras sur la colline d'or qui domine l'Hellespont. Il y construit un grand temple en l'honneur d'Héra. Bon, j'y vais. Va, dépêche-toi.
J'étais anxieuse de te voir, mon fils. Ta destinée va enfin s'accomplir. Je n'ai franchi qu'un seul des obstacles qui se dressent entre moi et le trône. Un obstacle de taille, le roi. Tu sembles oublier sa fille, le peuple. Selon la loi sacrée de Mycène, Atti doit avoir un époux pour prétendre au trône. Dans l'intervalle, tu pourras être le régent et en profiter pour changer le cours de ton destin. Avec elle, ça me sera facile. Je suis sûr de ses sentiments. Atti a pour moi toute la tendresse d'une sœur. La confiance qu'elle me témoigne n'a pas de limite. Mais Atti n'est pas le peuple. Le peuple me hait. Le peuple se soumettra, car avec ceci, c'est toi qui seras le plus puissant. Je te confie cette arme, Milo. Attends, ne retire cette arme de son fourreau que lorsque tu devras affronter tes ennemis. C'est bizarre, j'y comprends rien du tout. J'ignorais qu'il y avait des sables mouvants ici. Je crois que quelqu'un te veut du mal, mon petit. Thank you.
Milo, c'est toi qui as tué mon roi. Assassin, tu paieras ce crime de ta vie. Garde, faites-le taire. Nous vengerons Pandiol. Le peuple fera justice, nous le vengerons. Mort au régicide. Mort au tyran. Mort au régicide. C'est Cordio qui a tué le roi, il l'a frappé sur l'ordre de Milo. Que signifient ces cris? Cette foule menaçante? Pourquoi est-elle dans la rue? Je veux savoir ce qu'il y a. Non, Hattie. Je t'en prie, reste ici. Pour quelle raison? Où est mon père? Il est arrivé quelque chose à mon père. Ils sont les plus forts, il faut nous mettre à l'abri. Non, ne crois pas ça. La magie. La magie, c'est le secret de ma puissance. Attaquez, décochez-leur une volée de flèches. Avancez, avancez! Ils sont invulnérables, Risteo! Battez en retraite! Mettez-vous en lieu sûr! Sauvez-vous, vite, vite! Cessez le combat, sauvez-vous!
Je doute qu'il puisse venir à l'idée de qui que ce soit de te contester la régence. J'en exclus l'éventualité. De toute façon, je suis le neveu du roi assassiné. Du meurtre de ton père, mais je connais le coupable. Eurystée opéra pour ce crime odieux. Et pour tes larmes. Je te le jure. Je n'avais jamais vu un spectacle qui m'ait autant frappé que celui-ci. Cette créature douée d'une force colossale, satanique. Leur peau a la couleur de l'or et elles sont invulnérables. Combattant sans armes, rien qu'avec leurs mains, mais on croirait qu'elles en ont au sang. Les sentiments, c'est ainsi qu'on appelle ces créatures. Parce que chacune d'elles a la force de 100 mains. Est-ce que tu les connais, Hercule? Oui. Je peux même te dire que ce sont les fils de Géa. C'est un coup très dur, mes amis. Selon moi, c'est le plus puissant maléfice qui nous vienne du mont Olympe, en tout cas. Dis-moi, te souviens-tu si Milou avait un poignard au côté? Oui, un poignard tout en or. Et quand il le rengaina, les créatures disparurent aussitôt. Hélas. C'est ce que je redoutais. Pasiphaé doit posséder un pouvoir exceptionnel si elle a pu obtenir de Géa qu'elle lui donne ce poignard. Or, figure-toi que Géa est la sœur d'Héra, et cette dernière m'en veut à mort pour une vieille histoire vraiment idiote. Mais si tu nous aides, nous pourrons triompher des sentiments, Hercule. Je l'espère. Ce sera difficile néanmoins. Songez qu'ils sont invulnérables. Vous ne réussirez pas à les blesser et ils vous tueront. Tu as raison. Sur leur corps, nos glaives se rompent ou se plient et nos traits acérés rebondissent. Il n'y a rien à faire. Toutes nos armes sont inutiles contre ces monstres. La vie de Hati est menacée, Hercule. Oh, un instant, du calme, je vous prie. Je suis prêt à affronter ces monstres sans crainte. Mais avant de tenter quoi que ce soit, je veux être mieux renseigné sur cette histoire. Pourquoi toutes les circonstances nous en sont connues? C'est Milo qui a assassiné Pandion, il n'y a pas de doute. Mais tu m'avais dit que c'était Gordio. Oui, Gordio est sur l'ordre de Milo. Redouterais-tu un tu as un soupçon quelconque? À quoi penses-tu? Eh bien, Eurystée, je pense que si Milo... ainsi que vous le dites, a commis cet acte criminel afin d'écarter les prétendants au trône, il devrait s'opposer au mariage d'Ati. Veux-tu dire par là qu'il aurait dû interdire le tournoi? Voilà, c'est ça. Milo avait pourtant le meilleur des prétextes, la mort du roi. Pourquoi n'en a-t-il pas usé? Le tournoi se fera, Ati épousera le vainqueur et elle montera sur le trône. C'est clair, non? Oh oui, Hercule, c'est très clair. Malgré tout, je donnerais cher pour savoir ce que complote Milo. Abadur, un prince assyrien. On dit qu'il combat avec une arme curieuse, une grosse sphère de métal tout hérissée de piquants et retenue par une chaîne. Tu cherches à me faire peur, peut-être? Je veux te voir vaincre, Gordio. Cela fait partie de mes projets. La haute bienveillance que tu me témoignes ne sera pas déçue. Ce n'est pas de la bienveillance. C'est du calcul. Si tu épouses Ati, moi, je régnerai par ton entremise. Est-ce que Gordio t'inspire une telle confiance? Non, aucune. La cuirasse de cette abadure, mon noble compagnon, est tout en or. Tout en or? Oui, tout en or. Et dans le royaume de cet heureux monarque, l'or abonde à ce point que les artisans l'utilisent à faire des écuelles servant à l'usage quotidien. C'est vrai ce que tu dis? Et aussi pour créer ces ustensiles et récipients employés généralement pour les propres besoins du corps. Ils sont en or aussi? Oh. Et si Abadur sort vainqueur du tournoi, il fera cadeau d'une écuelle en or à chaque citoyen grec. Que les dieux l'assistent! Et tous mes respects, noble compagnon, que les dieux me donnent la joie de toujours te trouver en bonne santé, tout comme aujourd'hui. Merci. Et à bientôt.
Alors tu comprends pourquoi je veux la victoire de Gordio. Ce n'est certes pas pour sa fidélité. Mais il est l'enfant chéri du peuple et des mercenaires. En somme, si j'ai bien compris, Gordio pourrait périr en même temps qu'Atti dans un accident mortel sans que quiconque te réclame des comptes. Ainsi que le ferait tout autre roi de Mycène, le tyran d'Athènes ou le prince de Crète et les barbares du prince Abadur. Ta connaissance des hommes et des choses te donne sans conteste le droit de régner. Belle réflexion. Cela me plaît. Tu verras le triomphe de Gordio sur l'Assyrien. Il fera le tour de l'arène sur le char de la victoire, tiré par 4 chevaux. Et Atti sera à ses côtés quand ils passeront là-dessous. Tiens, occupe-toi de nos chevaux. Oui. Tavernier, encore une cruche de vin de Palerme. La porte tout de suite. Ah, essayons-nous ici. Tu es déjà venu à Mycène? Tu le sais bien, j'étais ami avec Pandion. La dernière fois que je suis venu, Atti n'était qu'un petit bébé. Et Milo, un gamin. À cette époque, nul ne songeait à s'en plaindre. Les choses ont bien changé depuis cette époque. Milo est loin d'être le bon petit que tu as connu. Car nous t'avons dit la vérité. La vérité a souvent deux visages. Mais la justice n'en a qu'un seul. J'en sais quelque chose après tous les malheurs qui me sont arrivés parce que je me suis montré injuste une fois. Non, toi, Hercule. Oui, moi. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Ce jour-là, dans un moment de colère, j'ai jeté Iphito du haut des murs de Mycène. Mon père me l'a fait payer très cher. Jupiter t'a puni? Oui, oui, pendant plus de 2 longues années, j'ai été privé de ma force. C'est incroyable, ça a dû être atroce pour toi. Oui, il me restait encore la force d'un homme assez solide, mais plus du tout celle d'un demi-dieu. Comme je te... C'est mon auguste père qui m'a doté de cette force surhumaine. La seule fin d'en faire toujours bon usage. Dans le cas contraire, ce ne sera que justice si à nouveau il m'en prive. Oui. D'avoir tellement de prétendants illustres. Vois-tu, Milo, je voudrais qu'aucun d'eux ne soit victorieux. Oh, je t'en prie. Tu dois t'incliner devant la volonté de ton père, comme moi-même je l'ai fait. Tu sais pourtant bien que le tournoi a été préparé par lui avant que... Oui, je le sais. Mais mon cœur déchiré ne se console pas et tout empli de chagrin. Je ne souhaite ni gagner un époux ni ceindre la couronne. C'est toi, Milo, qui devrais régner sur Mycène plutôt qu'un de ces étrangers. Merci, tu es gentille et généreuse. Mais tu oublies que dans cette foule, nombreux sont ceux qui me détestent. Comme ils seraient heureux s'ils pouvaient dire que Milo a voulu faire obstacle à tes noces pour accéder au pouvoir. Quoique j'en doute, peut-être est-ce la vérité. Passons par ici. Pourquoi pas par derrière? Ce sont les jardins et ils ne sont pas gardés. Mais dans le palais, on risque... Penses-tu, il n'y a personne ce soir, que ce soit ici ou bien dans les maisons de Mycène? Voyons, réfléchis, Hiro, si on est pris à l'intérieur. Quick! Mais on ne risque pas grand-chose. Tu oublies qu'à l'occasion des noces d'Atti, il y aura une amnistie. Mais espérons-le. Et suis-moi, alors. Thank you.
les jeux d'antan, quelle tristesse. Les combats de gladiateurs sont aussi passionnants. C'est pourquoi il regrette tant les Jeux olympiques, parce que seuls les hommes étaient admis à ce spectacle. Oh, si c'est cela, c'est vraiment mesquin. Il ne s'agit que de pudeur, les athlètes étaient nus. Ah, par tous les dieux, quel heureux temps. Où est passé le poignard qui était là-dessus? C'est le singe qui l'a pris. Lâche ça, prends-le-moi tout de suite. Mon temps, espèce de voleur. Mais n'insiste pas, il y a tant de choses à prendre. Mais il est tout en or, tout en or. Mais tu vas pas en faire une jaunisse, non? Ah, regarde, ça c'est tout en argent, et baisse-moi ça. Ah, oh, t'as raison, il y a ton argent massif, même mon pied. Thank you.
Honneur à toi, prince Abadur. Quel combattant désire défier le noble Abadur? Moi, Gordio de Mycène. Si mon adversaire entend combattre sur son char, je renonce. C'est déloyal. Mais le choix des armes est libre, noble Abadur. Et tu es libre de te retirer? Je vaincrai quand même avec ceci. Comme tu voudras. Milo devrait interdire ce combat. La Syrie n'a pas une chance. C'est criminel. Et l'autre, tu le connais? C'est Gordio. Gordio? Oui, l'homme qui a tué notre roi. Doutes-tu encore de nos paroles à présent? Doucement, Théo, doucement. Maintenant, donne le sac. Envoie le vari. Vite, sauvons-nous. Honneur à toi, Gordio. Si personne n'ose te défier, je te déclare vainqueur. Qui désire combattre Gordio de Mycène? Moi. Je désire combattre Gordio de Mycène. Comment? Ne sais-tu pas que les jeux du cirque sont interdits aux plébéiens? Non, attends. C'est Hercule. Je le sais fort bien, mais si je ne suis pas noble ou prince, Reto, mon père, lui, est beaucoup plus qu'un roi. Oh, je le sais, grand Hercule. Et c'est pourquoi je m'étonne que tu brigues le trône, toi, le fils de Jupiter. Si j'ai défié Gordio, ce n'est pas dans l'intention de m'emparer du trône, mais plutôt pour empêcher qu'il ne soit donné à quelqu'un qui n'est pas digne d'être à ton côté, Atti, toi dont la beauté reflète la pureté de ton âme.
Que le tournoi continue. Choisis tes armes, Hercule. Des armes, et pourquoi? Gordio est bien assez armé pour deux. Tu vas te repentir de m'avoir injurié, Hercule, quel que soit le chagrin que causera ta perte au père de tous les dieux. Ha, ha, ha. À tes intentions. Et pourquoi? Je n'ai pas de raison de vouloir épargner Hercule, il n'a ni peuple ni armée derrière lui. Mais enfin, c'est le fils de Jupiter. Eh oui, mais c'est très loin, l'Olympe. Qui veut affronter Hercule? Honneur et gloire au vainqueur. Que l'on amène le char du triomphe. À Mycène. Quelqu'un le lui a demandé, je pense. C'est Eurystéo, toujours ce maudit chien. Le poignard de Géa. Il a disparu. On l'a volé. Viens. Je ne cherche pas à te faire peur, Atti. Néanmoins, je dois te mettre en garde contre certains périls. Lorsqu'un malheur arrive, il importe de savoir qui est celui qui a eu intérêt à le provoquer. Est-ce à dire que tu soupçonnerais quelqu'un?
Et non la fatalité d'avoir fait tomber cette herse? À l'instant précis où notre char devait franchir le petit portail, n'est-ce pas vraiment étrange comme coïncidence? J'étais une petite fille lorsqu'un jour d'automne, un pont céda tout à coup sous mes pas. La charpente était pourrie. Néanmoins, à l'époque, on émit des doutes à ce sujet. Certains, d'ailleurs, soupçonnèrent même Milo, ignorant que ce fut à Milo précisément que je dus mon salut. Milo? Oui. Sans hésiter, il risqua sa vie. Et cela, je ne l'oublierai jamais, Hercule. Il peut arriver dans la vie qu'on se crée des ennemis, et sans qu'on ait fait de tort à personne. Hercule, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore, je vais aller voir. Reste ici. Signifie que le poignard n'est pas très loin. Cherchons partout. Sont-ils passés? Non, par tous les dieux! Ma mère, il me faut une arme encore plus puissante contre Hercule. C'est toi qui es le plus puissant parce que tu es mon fils, Milo. Mais Hercule, lui, est fils de Jupiter. Sans doute, mais ce n'est pas un obstacle pour toi. Car Jupiter exige de lui qu'il soit loyal et juste. Alors que tu peux employer contre lui la ruse, la déloyauté, la trahison, ainsi que le mensonge ou bien la médisance.
Quelle que soit la raison qui a guidé tes pas vers Mycène, je m'en réjouis. Parce que tu incarnes la justice, la loyauté et la probité. Et que tu ne refuseras pas de venir à mon aide. Tu as besoin d'être aidé, toi, Milo? Mais oui, Hercule. Je suis entouré d'ennemis qui intriguent contre moi et me persécutent par leurs odieuses calomnies. Pense qu'ils osent m'accuser, moi, d'avoir provoqué la mort de notre roi. Oui, oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Je sais qui te l'a rapporté. C'est Eurystéo, ou bien quelqu'un de son village. Oui, Hercule. C'est cet homme qui est la cause de tous nos ennuis, de tous nos malheurs. Et son crime est toujours resté impuni. Comment? Quel crime? C'est lui, Eurystéo, qui a tué mon père. Milo peut te le dire. Il a assassiné Pandion sous ses yeux. Mais pour Hercule, la parole de ce traître vaut mieux que la mienne. Hercule, comment peux-tu avoir cru que Milo... Non. Regarde autour de toi. Combien de soldats vois-tu? Si le peuple entier m'était hostile, comme mes ennemis l'insinuent, crois-tu qu'une armée suffirait pour le mater? Je comprends, tu penses aux sentiments. On prétend que je me sers de leur pouvoir fantastique. Mais tu les as pourtant vus à l'action, tous déchaînés contre moi dans ce palais. Si quelqu'un détient le poignard de Géa, c'est sans doute quelqu'un d'autre que moi. Et si on t'a laissé entendre que Milo veut me ravir le sceptre, sois assuré que je suis prête à le lui donner à l'instant même, Hercule. Non, Atti, c'est toi la reine. Tu as beaucoup de bon sens, Atti. Le bonheur ne sourit pas toujours au souverain, et tu mérites d'en avoir tellement. Si elle le veut, Atti pourra mieux que moi sans doute rétablir la vérité. Et venant de sa part, peut-être la croiras-tu. Tu as entendu? Hercule est amoureux de Atti, et cela me convient ainsi. Ne le crois-tu pas aussi, Chica? Quand mon regretté père régnait sur Mycène, Milo s'est fait de nombreux ennemis par le zèle qu'il mettait à exécuter ses ordres. C'est la seule raison. La seule? Hercule, pourquoi te montres-tu si méfiant à l'encontre de Milo? Ton père avait de l'estime pour Eurystéo? Oui, Eurystéo fut un sujet très dévoué durant des années. Mais il en voulut à mon père lorsqu'il lui refusa ma main. Qui te l'a raconté? C'est ton père ou c'est Milo? C'est Milo. Mais pourquoi devrais-je avoir des doutes? Hercule, je crains que tu n'aies prêté une oreille complaisante à des mensonges. C'est possible. Quoi qu'il en soit, Atti, je me sens l'obligé de ceux qui m'ont induit en erreur. Que veux-tu dire? Si je n'étais pas venu à Mycène, je n'aurais pas pu te rencontrer. Si tu n'étais pas venu, je serais morte à présent. Je ne suis descendu combattre dans l'arène que pour t'enlever à Gordio, que je jugeais indigne de devenir ton époux et de régner sur Mycène. Mais à présent, je lutterai jusqu'à la mort contre quiconque voudrait t'éloigner de moi, Atti. Aucun homme n'oserait. Non, non, parce que je le tuerai. J'attendais cet instant. J'étais sûr qu'un l'un de vous se manifesterait. Eurystéo est inquiet de ne pas avoir de nouvelles d'Hercule, n'est-il pas vrai? Je ne t'en veux pas. Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur. Tant mieux alors. Si tu t'engages à répondre à ma question avec sincérité, je te promets de te laisser la vie sauve. Hercule te connaît? Pourquoi? Est-ce qu'il te connaît bien? Nous sommes amis, oui. C'est bien dommage pour toi. Tant pis, tu n'auras pas la vie sauve. À toi.
Les sentinelles dormaient. Je vais les faire dormir pour l'éternité. Je veux leur tête, qu'on amène les responsables ici sur le champ, que je les tue de mes mains. Milo. On a enlevé Hati, les bandits. Qui a eu l'audace de l'enlever? Comment saurais-je qu'il a eu la lâcheté de commettre une telle monstruosité? Milo. Mes cavaliers sont à la poursuite des rebelles. Nous sommes bien avancés, il ne fallait pas les laisser échapper. Ils ont profité de la surprise et... Tais-toi, tais-toi! Voici le chef des rebelles. Nous l'avons abattu. Erion. Tu le connais? Oui, c'est le plus jeune frère de Risteo. Tu avais raison. Mais je te fais le serment que Risteo paiera de sa vie cet odieux attentat. Je ne sais pas. Allez me chercher Hati, je veux la voir tout de suite, vous entendez? Amenez-la moi immédiatement, si vous ne voulez pas que je le fasse moi-même. Et Hati est à Mycène, c'est tout ce que nous savons, Hercule. C'est ainsi. C'est le vent qui a dû se lever. Oui, le vent de l'intérieur. Regarde, la mer est calme. Où est Hati? Hati! Arrêtez le travail pour aujourd'hui. Rentrons tout de suite au village. Mes amis, oui, calmez-vous. Attendez, j'y vais tout de suite. Je vais le trouver, restez calme. Ne vous inquiétez pas, surtout restez calme. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es devenu fou! Où est Hati? Où la retiens-tu prisonnière? Hercule,
Mais tu as perdu la raison, elle n'est pas ici. Parle. Je te jure que j'ignore où elle est. Misérable. Hercule, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton ami, je suis Eurystéo. Eurystéo. Où est-il? Répondras-tu? Eurystéo. Eurystéo. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela, Hercule? Hercule, tu as mortellement frappé ton ami, un homme juste. Père. Mon fils, tu as bien tissé ta toile et il s'y est laissé attirer. Tu le tiens à présent. Maintenant, il sait. Il a deviné la tromperie. Oui, mais un peu trop tard. Il va venir à toi assoiffé de vengeance. Va, Milo, précède-le au palais. Tu n'auras pas à redouter sa colère, car son très auguste père lui a une nouvelle fois retiré toute sa force. Mais Hercule l'ignore encore. Sa colère sera impuissante contre toi. Et tu jouiras de ton triomphe. Ce sera toi le plus fort, mon fils. Toujours considéré comme un ami, presque comme un frère. J'ai eu aveuglément confiance en toi. Pourquoi m'as-tu fait jeter dans cette prison? Que me reproches-tu? De toujours te trouver sur mon chemin, d'être la fille du roi. Tu es l'ultime obstacle entre le trône et moi. C'est injuste et ridicule de dire ça. C'est moi-même qui voulais renoncer à tous mes droits en ta faveur, tu le sais. Mais le peuple n'aurait jamais permis cela. Et tu aurais fini par te soumettre à ses désirs. Vivante, tu représentes un symbole. L'idole que je dois détruire. Alors, tue-moi tout de suite. N'attends pas, sinon Hercule t'en empêchera. Il ne peut plus rien. Je suis devenu plus fort que lui. Désormais, c'est moi qui commande. Et Mycène sera à moi. Je régnerai. Et ceci n'est que le commencement. Qui t'a permis d'entrer? Milo! Où es-tu, Milo? Tu es l'être le plus abject qui soit sur Terre. Je le veux vivant, prenez-le. À présent, Hercule n'est pas plus fort que vous tous réunis. Saisissez-le. Je vous dis qu'il n'est pas plus fort que vous tous réunis désormais. Allez, qu'attendez-vous pour le réduire à merci? Emparez-vous de lui! Ah!
Ah, vous voyez bien. Jupiter lui a retiré sa force. Il n'est plus un demi-dieu à présent. Allez! Voilà, bien encore! Bien! Cette fois-ci, c'est la fin d'Hercule. Dès maintenant, je suis le roi de Mycène. Allez, emportez-le. Hattie. Oh, Hercule, sauve-moi. Avance. Cet homme est venu au palais royal dans une intention criminelle, en se faisant passer pour Hercule. Ce n'est qu'un vil imposteur, je l'ai démasqué et j'ai fait échouer le complot qu'il avait ourdi avec l'aide d'une femme indigne d'être reine. Cet homme aura le châtiment qu'il a mérité. Le véritable Hercule est fils de Zeus et celui qui s'approprie injustement ce titre. Outrage est le fils et le père qui règnent sur tous les dieux. Et c'est pourquoi ce blasphémateur sera puni. Que signifie toute cette comédie? Tu vas le savoir avant qu'il ne soit longtemps. Mais la culpabilité d'Athie n'est pas moins grande que la sienne. Dévorée d'ambition et dominée aussi par une passion aveugle, elle voulait faire de lui son époux légitime. Et de cette façon, asseoir ce mystificateur sur le trône de Mycène. À la vérité, tu cherches à te débarrasser d'Athie et de moi. Non, étranger. Je me contente de faire justice. Hercule, le véritable Hercule, est doué d'une force prodigieuse, presque sans limite. J'ai décidé de mettre la tienne à l'épreuve. Et si tu es réellement Hercule, tu empêcheras ces pointes acérées de transpercer le corps d'Athie. Si tu y parviens, la preuve sera faite que tu es bien le fils de Zeus. Et si par contre tu n'es qu'un imposteur, alors tu ne pourras empêcher Athie de rendre l'âme au moment même où toi tu seras écrasé. Que l'on commence. Mes amis, sauvons-la. Mais pourquoi? Milo est en train de la torturer. Quelque chose sous l'arrêt. Oui, les tous avec nous. Venez, venez. Rangeons-la. Ah!
Sans crainte. Mais elle, père, sauve-la. Hattie est innocente. Dépêchez-vous! Posez les armes ou je fais mettre à mort votre reine! Restez où vous êtes tous!
Hercule, ne t'approche pas, ne fais pas un pas de plus ou je la tue. N'avance pas, entends-tu, Hercule? Arrête! Entrez, Hercule, c'est compris? Et toi, viens avec moi. Non! Allez! Allons! Fuyons vite, Hercule va tous nous tuer! Aucun de vous ne s'avise de bouger, c'est un ordre. Mère, aide-moi. Hercule te poursuit, mais le poignard de Géa te sauvera encore une fois. Mais il vient de jeter le poignard dans le feu pour le détruire. Milo, le feu ne peut pas réussir à détruire ce qui est né du feu. Thank you.
Hattie, où es-tu? Hattie, réponds-moi! Arracher mon fils chéri, mais tu n'auras pas Hattie. Laisse-moi passer. Tu ne sauveras pas Hattie. Sûr d'une chose maintenant, mon noble compagnon, Hercule régnant, il n'y aura plus de voleurs à Mycène. Ah, puisses-tu le dire vrai? Mais oui, si chacun a de quoi manger à sa faim désormais, il n'y aura plus besoin de voler. C'est juste. Que les dieux te gardent longtemps en bonne santé pour que je puisse souvent te rencontrer. Vive Hercule!